parce que le train file, file à toute allure, que toujours change le paysage, que d'impromptu en aventure, on se dessine le visage. Étant le parrain de Grandir, c'est toujours un challenge de se dire tiens, qu'est-ce qu'on refait pour Grandir en Zik cette année. J'essaye tout le temps d'avoir une dynamique pour que. Parce qu'il y a une dynamique dans l'association Grandir. Évidemment que je suis pris par ce plaisir de par deux, trois chansonnettes, participer à ce mieux-être d'enfants et de parents aussi. Mais il y a aussi qu'en venant à l'asso Grandir, je me fais du bien à moi. J'aime être au contact des artistes, des bénévoles, du public. Il y a une écoute, il y a une chaleur, il y a un échange. Tout le monde y apporte une petite braise en plus pour que ça brille dans la nuit. L'idée, c'est d'apporter un soutien. Moi, je mets en lumière, parce que ceux qui font le boulot, c'est les bénévoles. Je mets en lumière leur travail, en fait. Un rendez-vous annuel où on a plaisir à trouver des artistes, à croiser des artistes qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît, à les retrouver, à faire une soirée éphémère qui se construit très vite et qui a plein de belles vertus. La fraîcheur, la spontanéité, l'engagement, le plaisir. Parce qu'un jour tu m'as ouvert tes bras, j'espère que quelqu'un, quelque part, que quelqu'un, quelque part, que quelqu'un, quelque part, prends soin de toi. Voilà, se grandir, c'est une super belle énergie, quoi. C'est des gens qui se bougent pour les autres. Et voilà, c'est toujours une joie de venir les voir et de venir jouer avec eux. On est accueillis comme des rois. On est comme à la maison, on se sent bien. On a l'impression de buffer entre copains. Et si je tombe, tu diras à ma mère que telle que je suis venue sur la terre, je m'en vais. J'ai travaillé avec des enfants polyhandicapés premier lieu et autistes ensuite pendant 17 ans en tout. Et puis en fait quand j'ai vu l'asso grandir, en fait pour moi c'était une façon d'allier la musique avec une manière d'aider les enfants. Et en fait je trouve que ces enfants-là n'ont pas l'aide qu'il leur faut, surtout les parents. Parce que j'ai vu des parents beaucoup souffrir par rapport à leurs enfants. Ma première joie c'était d'être conviée par Yves Jamais pour venir participer à ce spectacle, et je savais que c'était par rapport à une association. J'ai écouté un petit peu les interviews radio de Yves par rapport à ça avec Michel, la présidente. Dis-toi qu'un oiseau sans aile n'a jamais appris à voler, que le monde est si cruel, qu'on n'a pas les mêmes facultés pour réussir, apprendre à se respecter pour bien grandir, dans les tempêtes naviguer, ne plus faiblir, ou seulement se laisser crever, ne plus mentir et regarder la réalité. Mais ouais. À chaque fois, il faut se renouveler sur la scène, parce que toi, c'est bien de on retrouve les mêmes, tout ça. C'est souvent, on a un côté un peu familial. Mais si tu veux, moi, comme je rencontre des artistes un petit peu partout en France, l'idée, c'était d'essayer de demander à des gens de pouvoir venir un petit peu de l'extérieur aussi, toi. Là, on refait un spectacle, cette fois-ci avec trois filles, avec Chloé Bosque, Nini Poula et Hélène Piris. Et ça va être super parce qu'il y a et la découverte, en plus ça fait des gens qui se rencontrent. Moi j'aime beaucoup les rencontres, en plus les rencontres sur scène ça donne toujours quelque chose de sympa. Il faut 5-6 heures pour mettre en place la chose qui a été pressentie à l'avance, qu'on répète à l'arrache et qu'on joue avec plaisir, encore une fois. C'est hyper chaleureux, les gens ils sont adorables, enfin, c'est un bonheur. Pour nous de venir jouer là c'est un bonheur, après en plus quand on sait la portée, ça fait du bien de faire des choses qui ont du sens, quoi. Ça fait du bien, vraiment. Et puis il y a le chien. Il vaut mieux faire des études pour être épanoui dans son métier et ne pas suivre le chemin absurde de se faire exploiter puis virer. J'ai envoyé une de mes chansons que j'avais fait pour ses enfants, parce que j'ai dû partir de l'hôpital où je bossais. J'ai créé une chanson un peu pour guérir de tout ça. Toi qui m'acceptes comme je suis, je veux t'offrir la liberté de pouvoir croquer dans la vie sans changer qui tu es, sans sans un mot,
Donc en fait, ça m'arrive d'un concert avec Thierry Clance, moi j'arrive de Nancy. Au Japon, j'étais au Japon. Ouais. Et moi j'étais à Nancy, mais au Japon aussi. Au Japon. Et puis en fait, du coup, on va jouer ensemble et s'il trouve les accords. Voilà. Voilà. Je suis en train de chercher les accords. En mode surprise, voilà. Bonne surprise. Et je crois que je commence à regretter de leur inviter. Dominique Fernandez, non, c'est pas toi. C'est chaleureux, c'est humain, ça fait du bien, quoi. Ah, c'est trop cool de rencontrer Nini, de rencontrer mais Chloé, je la connaissais déjà, Hélène, et puis de repartager la scène avec Yves et Didier. De deux choses, hein. Comme on s'adresse aux enfants, que l'asso s'appelle grandir, je me suis dit l'enfant, il a besoin de grandir face à ce monde comme ça qu'il a devant lui, à ce qu'on pense de lui, d'éventuellement de ses handicaps. Alors il se dit ouais, mais attends, j'ai besoin de grandir. Et hop, en grandissant, il trouve une aide. Il trouve une aide, tu sais. Tu m'accompagnes au soleil, tu me montres des merveilles, tu m'écoutes chanter ma chanson. Il y a quelqu'un qui est là pour l'enfant, pour l'accompagner dans sa démarche. Et dès le départ, je savais que je voulais mettre le mot jamais, mais dans un sens positif. Bon, à cause de Yves. Et c'est pour ça que le refrain va « Je ne serai jamais, jamais, jamais plus seul au monde ». Ce midi, j'étais avec Titoine qui mangeait juste en face de moi et voilà, c'est comme il m'a dit, c'était très rigolo, il dit « c'est à cause de moi que vous êtes là ». Et on a bien relevé en disant que c'était grâce. Je suis heureux de le voir, il a 23 ans bientôt là, et je suis heureux de le voir comme ça. C'est un gamin qui est quand même arrivé avec des putains de difficultés liées à sa santé. Et de le voir aujourd'hui, il est bûcheron, il fait, c'est assez. Tu te dis que ça valait le coup, quoi. Ça valait le coup de faire tout ça, d'y aller. Et puis on aide d'autres gens à côté, Paul, Axel, de voir ces gamins-là grandir. Bien sûr, ils grandissent avec les problèmes qu'ils ont, mais de pouvoir accompagner, d'avoir été témoin de ça, c'est assez émouvant, ça. Alors j'espère surtout que ça va continuer longtemps, qu'il y aura encore plein de belles actions comme ça pour qu'ils puissent avoir le financement effectivement pour aider tous ces enfants qui ne rentrent pas dans les cases, qui ont besoin de soins qui coûtent très cher. Et je leur souhaite que ça grandisse encore en fait, parce que je pense qu'il y a encore plein d'autres enfants. Mais moi je crois que tout est dit dans le monde de l'asso, grandir, donc ça ne peut que grandir. Daniel Fernandez, Titoine, ouais. Michel, ouais. Chloé Bosque, ouais. Hélène Piris, ouais. Et Nini Poulain, ouais. Didier Grebeau, ouais. Samuel Garcia et les bénévoles. Ouais. On vous salue. Yves Jamais, s'il vous plaît. Et merci d'avoir été là. Merci infiniment. Cette chanson, elle résume tout. Et chaque année, vous nous montrez qu'on sera jamais seul au monde. Merci à tous.